Je m'appelle Paco Malary, j'ai 21 ans, je suis français et je suis perruquier et maquilleur pour l'Opéra de Paris à l'Opéra Bastille. J'ai découvert ce métier par l'intermédiaire d'un de mes professeurs quand j'étais en apprentissage en coiffure. Je voulais pas arrêter en fait en sortant de mon diplôme les études. Du coup, il m'a parlé du métier de perruquier posticheur et je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'au final, c'était ce qui me plaisait parce que je voulais aller vers quelque chose de beaucoup plus artistique. J'ai commencé par un CAP coiffure en 2 ans, au Mans. Ensuite, je suis parti en apprentissage pendant 2 ans en brevet professionnel coiffure sur Angers. Et ensuite, j'ai fait un bac pro sur 2 ans, perruquier posticheur dans la ville de Rouen. Ce que j'aime énormément dans ce métier-là, c'est tout ce qui touche au niveau de la conception et de la fabrication de la perruque, de l'implantation des cheveux, en passant par le métier à tisser pour fabriquer ce qu'on appelle des wefts, qui permet aussi à la fabrication de postiches et perruques. Un postiche, ça va être un rajout de cheveux, ou une fausse barbe ou une fausse moustache. J'écoute beaucoup le groupe sud-coréen Blackpink, qui me met toujours de bonne humeur avec leur musique pleine de joie. Je rêve de travailler dans les ateliers de l'Opéra de Paris, particulièrement dans celui de Bastille. À l'Opéra de Paris, du coup, il y a 2 ateliers. Un à Garnier qui est plus spécialisé dans la danse et un à l'Opéra Bastille, du coup, qui est fait plus pour le lyrique. Dans 10 ans, je me vois du coup dans le domaine du spectacle. Pourquoi pas titulaire d'un poste à l'Opéra de Paris et à long terme, devenir formateur en perruque, maquillage et coiffure. La question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est les personnes qui m'inspirent au quotidien. Les personnes qui m'inspirent au quotidien sont la chanteuse Lady Gaga, qui m'aide par son extravagance à oser des choses dans mon domaine professionnel, et l'univers drag queen, en particulier la drag queen Manila Luzon, qui m'inspire beaucoup dans ma façon de coiffer et de maquiller.